Non! Non! Utilise ça! Quoi? Oh merde! Oh merde! Oh non! Ah, merde! Oh super! Oh la vache! Ok. Ok, allons-y. Ça doit être le chemin. Oh merde! Mais c'est quoi ça? Oh, non! Merde! Thank you.
quoi encore? Ouvre-moi, ouvre-moi! Est-ce qu'il y a Jamie? Ouvre-lui, vite! Ferme la porte, putain! Ferme la porte! Est-ce que ça va? Je pensais pas m'en sortir! Putain, tu hurlais à la mort! Est-ce que ça va? Tout retourné! Où est Matt? Assieds-toi, assieds-toi! Il y avait un truc là-bas! Vous êtes séparés? Un monstre! C'est attends. Un monstre! Mais qu'est-ce que tu racontes là? J'ai dit que j'ai vu un truc qu'est-ce là-bas! Qu'est-ce que c'est? Ah, du calme, c'était Josh, tout est de sa faute! Non, 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 non! Écoutez-moi! On l'a ligoté, il te fera pas de mal! Non, ça m'a suivi et ça n'avait rien d'humain! Attends. M, dis-nous exactement ce qui s'est passé. J'essaie de vous expliquer. La tour est tombée. Pendant qu'on l'escaladait, et elle s'est écroulée directement dans les mines. Oh là, oh là. Quelles mines? Il y a des mines sous nos pieds, des galeries, partout. Et c'est là qu'on a atterri, quand la tour est tombée. Comment ça, quand la tour est tombée? Comment ça tombée? Je marchais lentement dans les mines. Il faisait noir. Et j'ai trouvé ce truc avec la tête de Bess. Attends, quoi? J'ai trouvé la tête de Bess. Oh, c'est pas vrai. C'est quoi ce bordel? T'es sérieuse, là? Mais oui, je suis sérieuse! Écoutez, non, dans la tour, il y avait une radio. Et j'ai réussi à contacter quelqu'un. Mais c'est là que la tour est tombée. M, t'as réussi. Oh putain, ouais, Mike! Et Matt, alors? On essaie de le découvrir. Et puis, il y a ce monstre qui la poursuivait. Elle a vraiment pas l'air bien. Emily, M. Wow. Qui ça peut être, bordel? C'est Josh? C'est Jess? C'est pas Jess. Désolé, mais c'est qui? Je sais pas, on devrait aller voir. Vas-y, je te couvre. Bien. Ok. Je vais ouvrir la porte. T'es prêt? T'es prêt? Bon, vas-y, qui que ce soit, il est sûrement déjà parti. Sauf si tu veux que je prenne le flingue? Non, non, arrête, ça marchera pas. Tu gères la porte, je gère le flingue. Merde! Attends, attends, attends! On se calme. On se calme, monsieur. Stop! Ah, putain! Oh. Ok. Ok, t'énerve pas comme ça, vieux. Ok, maintenant tout le monde va se calmer. Bon, mettez-vous tous ici. Allez, vite! Je vais vous expliquer ce que je fais là. Il faut que je vous dise ce à quoi vous avez affaire sur cette montagne. Vous n'auriez pas dû revenir ici. C'est de la folie après ce qui s'est passé l'an dernier. Vous voulez dire avec Anna et Bess? Ouais, vous êtes pas censé être au courant de ça. Si vous êtes pas responsable... Vous baissez d'un ton tout de suite. J'aime pas trop que des gamins viennent grimper comme ça sur ma montagne. Votre montagne? Je suis sûr que les Washington seraient super contents d'entendre ça. Ouais. Cette montagne ne m'appartient pas, c'est vrai. Mais elle n'est pas non plus aux Washington. Cette montagne appartient au Wendigo. Qui? Mais qu'est-ce qu'il raconte, lui? Et c'est quoi un Wendigo? Laissez-le parler. Comme si on avait le choix. Je vais vous l'expliquer, mais pas deux fois. Croyez-moi ou non, ça m'est bien égal après tout. Je veux en parler pour pouvoir m'en débarrasser. Non, je l'avais dit. Il est trop suspect. Il a fait quelque chose. Chut, ferme-la, Mike. Il y a une malédiction qui sévit dans ces montagnes. Si n'importe quel être humain a recours au cannibalisme dans ces bois, alors l'esprit du Wendigo sera libéré. Oh merde. Vous allez devoir trouver un lieu sûr. La cave, ça pourrait le faire. Ok, descendez tous, maintenant, et attendez. Quoi? Pourquoi? Jusqu'à quand? Jusqu'à l'aube. Les gars, je suis parti en laissant Josh quand j'ai entendu crier. Où est-ce que tu l'as laissé? Dans la cabane. Alors ton ami est déjà mort. Non, c'est impossible. On est avec lui. Tout peut se passer très vite sur cette montagne. Non, non, je refuse qu'il lui arrive encore autre chose. Autre chose? Pourquoi tu dis ça? Chris, arrête.
Je l'ai frappé. On pensait qu'il avait tué Jess et il m'a énervé. Et je l'ai frappé à la tête. Chris, peut-être qu'il le méritait. Peu importe, on peut pas le laisser mourir. Bon, je viens avec toi. J'ai pas besoin de votre aide. Et aller seul, c'est du suicide. Okay. Quant à vous autres, descendez au sous-sol, à l'abri. Et ne ressortez pas jusqu'à ce qu'on soit revenu. Vous avez pas l'air de comprendre la gravité de la situation. Bah, si, puisque je vais aller chercher Josh. Non, je vais chercher Josh. Et toi, tu vas m'aider. Est-ce que c'est bien clair? Oui, je crois. Reste bien derrière moi, et fais bien tout ce que je te dis de faire. C'est cette extrémité que tu pointes vers ce que tu veux tuer. Je sais me servir d'un fusil, merci. Non, tu sais pas. Quoi ? Comment vous savez ça ? Je le sais, c'est tout. Chris, fais attention. Allez, faut qu'on se dépêche, mon gars. On se revoit vite. Bon, dites-moi, vous êtes l'expert de ces trucs. Qu'est-ce que je dois savoir ? Fais juste attention. Et suis-moi de près. Donc, je dois lui tirer dessus au fusil combien de fois avant qu'il crève enfin ? Oh, il faudrait que tu tires très longtemps. Vous voulez dire que ça le tuerait pas ? Non, mais ça le ralentirait. Alors, comment on le tue ? Ils supportent pas le feu. Moi non plus, en fait. Ils le craignent. Et ça, ça peut les tuer au besoin. Leur peau est dure. Dure comme une carapace. Sauf si on la brûle d'abord. C'est dégueu. Et à quoi on doit s'attendre ? Par exemple, ils sont complètement imprévisibles ou au contraire, on peut prévoir ce qu'ils vont faire ? Ouais. Ils ont quelques habitudes. Comme les animaux. Ou les hommes. Comme par exemple, une sorte de programme ? Eh bien, ils ne chassent que la nuit. Oh. Pourquoi ? Je leur ai pas demandé. Y a pas un guide du Wendigo ? Je peux pas me frotter de l'ail sur le corps pour couvrir mon odeur ? Non, ça marchera pas. Y a vraiment rien d'autre ? Ils te verront pas si tu bouges pas. C'est comme les crapauds. Leur vue est basée sur les mouvements dans leur champ de vision. Donc si je bouge pas, en gros, je suis invisible, c'est ça ? Ouais. Ce n'est pas quelque chose que je conseille de faire. Sauf en dernier recours, évidemment. Bordel ! Si ces choses, les Wendigo, sont ou étaient humains, est-ce qu'ils ont... Oh non... Qu'est-ce qui s'est passé ? Il est parti ! C'est trop tard ! Chut ! Silence ! Faut qu'on s'en aille. Tout de suite. On doit trouver Josh, il est peut-être encore là. D'abord, le Wendigo. Il t'immobilise. Ensuite, il t'écorche vif. De la tête aux pieds. Morceau par morceau. Après, il te maintient en vie et conscient pour dévorer tes organes les uns après les autres. Rentrons alors. Oui. Allons-y. Il est sûrement pas loin. Stop ! Ne bouge plus. Surtout pas un bruit. Thank you.
découvert. Il faut se tirer d'ici. Ah, oh putain, putain, putain. Oh putain. Fellow is dead.